L'absence des pluies ces derniers temps dans la province du Katanga, au sud de la RDC, porte un coup dur sur la production des maïs qui devient très faible. Une conséquence du phénomène dit El Nino, défavorable à la culture de cette céréale. Que faire pour échapper à ces phénomènes? Les scientifiques appellent à la culture maraîchère. À première vue, sur les terrains, les feuilles des plantes de maïs se replient sur elles-mêmes pour moins se déshydrater à cause de la rareté des pluies. Cette situation est non sans conséquence sur la production. Le professeur Lucien Kimouni de la faculté d'agronomie estime que le rendement sera fortement impacté. Cette culture exige à ce qu'il y ait beaucoup d'eau pendant la période de la floraison. Vous comprenez que quand il n'y a pas de pluie pendant cette période, il y aura naturellement des problèmes au niveau des rendements. Cette rareté des pluies ne concerne pas que les Haut-Katanga, mais aussi plusieurs pays d'Afrique australe. À cet effet, l'agronome encourage des agriculteurs à privilégier la culture maraîchère pour réduire les risques. Il y a lieu de préparer, n'est-ce pas, des pierres moires et des pépinières pour que sur les superficies, qu'ils puissent voir comment mettre les cultures maraîchères. Il faut donc être près d'une source d'eau pour devoir arroser. Au vu de la période, les conséquences de la rareté des pluies sont irréversibles sur les cultures cette saison. Cependant, les scientifiques réfléchissent tout autour des solutions pour les prochaines saisons afin de pallier à l'absence prolongée des précipitations. Donc il faut, dans le contexte du changement climatique, commencer à penser à l'association des cultures pour arriver sur le plan des revenus à compenser des pertes qu'on peut avoir quand on est dans une situation de monoculture. Il s'est par ailleurs de noter qu'il y a plusieurs provinces de la RDC, notamment la capitale RD congolaise, connaissent depuis plus d'un mois des fortes chaleurs dues à la hausse des températures. L'agence de météorologie annonce des fortes précipitations dans les jours à venir.